400 marozos emmenés par l'homme sans jour, monsieur prend gros frappe. Monsieur prend gros frappe selon information qui arrivait dans salle nouvelle, journal 9. Bagayo pas douce pour 400 marozos. Qui s'arrivait exactement? Eh ben, gagné toyo et les 4 points là, monsieur mangeait 4 soldats pour 400 marozos. Son chiffre 4 enragé, hein. Selon information qui vient dans salle nouvelle, nous, c'est que 4 poignettes, monsieur mangeait 4 soldats pour 400 marozo, monsieur lâché 2 à manchette et gain 2 lots, li fizye en bas katouche, fanatique, journal 9. Donc là, c'est ça nous-mêmes, antenne nous ba nous, fanatique. Donc là, est-ce que nous compte qui est-ce qui 4 poignettes là d'abord? Qui est nous, 4 poignettes, c'est un nan gros soldat, eh ben, Kalanri, alias déporté, monsieur te gagné dans dol. Pas oublier. Avant 400 marozo te tué déporté, mais déporté, c'est un nèg qui te kon bay 400 marozo en pile problème dans plein nan. Monsieur te kon bay l'an mort sans jour en pile problème dans plein nan. Bon, nous connaissons, te vin arrêter monsieur, monsieur fait prison, et puis l'an qui saute dans prison, j'en même font semaine même, il saute dans prison, 400 marozo fait monsieur fait voile pour payer son chapeau. Et puis, soldat monsieur te vin dans marron. Parmi soldats ça a 4 poignettes qui étaient dans marron gon l'autre nèg tout qui moi que les chihuahua tout qui étaient dans marron il y a plusieurs nèg qui dans marron et ben monsieur semblait c'est pas en marron pour tout bon le faire parce que pendant semaine là selon antenne nous gain information crivé joine nous dans salle nouvelle journal 9 ben 4 poignettes monsieur vidé 4 soldats 400 marozo à terre il raché 2 à manchette et gain 2 l'autre les fizier en bas à touche. Donc là, monsieur lui-même semblait vle prendre la relève, monsieur semblait vle remplacer Karl Henry alias déporté Jean Doulan qui te kon bay 400 marozo en pile problème. Et même Jean des équipes qui dans même championnat tant que Barcelone Real Madrid, qui de l'époque ben Barcelone bay Real en pile problème, qui de l'autre époque les Barcelone qui en forme, Real kon bal en pile problème. En ben dans moment là équipe qui en forme nan les 400 marozo son équipe qui en forme l'en dit en forme nan bon monsieur prend plein nan pou yo monsieur prend plein nan pou yo c'est yo ka ferraille fait la pli et le beau temps nan plein nan ah ben déporté yo même yo éteint sauf déporté déporté pas ka bay au problème encore ah ben kounya la gen 4 poignettes qui c'est un ancien soldat déporté qui lui même sorti pour compliquer monsieur la tâche donc là mais pas inquiété non non les gars, les lambeaux sans joie, monsieur pas joué. Monsieur pas joué. Les gars fait tout ça au capable pour stopper, hein, 4 poignettes qui lui-même sorti pour gâter jouette là, dans mes 400 marozo, fanatique, Joe Canel, journal 9. Eh, crendo, en pile cartouche tiré, en pile coup de balle tiré, après-midi là, dans zone la plaine, dans zone bon repos, quoi d'émission, kafouchada, eh ben, en pile coup de balle chanté c'est gros rafale et krendo information pour qu'on fin rivé joindre nous à toute précision parce que gon première version qui fait quoi que c'est 400 marozo qui envahit chez méchant donc on chez méchant c'est plus zone quoi des missions li basé c'est zone ça yo li même li basé donc premier élément information fait quoi que c'est 400 marozo emmené par l'un mort sans jour qui envahit chez méchant dans plein nan dans base li dans fief li et gon l'autre élément information qui t'a fait quoi que c'est la police qui a toqué kon ak monsieur donc nous même dans journal 9 n'a cherché plus information plus précision pour vous pour nous qui ça effectivement qui t'a gagné dans bon repos dans chada côté que en pile coup de balle en pile cartouche t'a chanté fanatique Joe Canel journal 9 parce que situation selon sa crivé joine nous te mangomé nan quoi démission nan kafou chada nan kafou marin mais situation te mangomé tellement cartouche tap chanté par ci par là tellement coup de balle tap pété dans zone nan fanatique Joe Canel journal 9 donc là situation elle était compliquée avec nèg exam qui au même pas suspendre ferraille pas suspendre faire la pli tomber à cartouche ou bien faire cartouche tomber tant que graine la pli et yo à l'aise kou blaise mais la police de temps en temps tout fait quelques petits coups hein la police de temps en temps fait quelques petits coups sur nèg yo de temps en temps ba quelques tabocs
même si on pas fait ça souvent. Si on t'a fait le souvent, nèg examen pas aussi à l'aise pour ferrailler comme ça dans le pays fanatique Joe Canel Journal 9. Gros problème dans prison yo. Anel Belizère qui a témoigné de ça, ancien député Anel Belizère. Problème dans les détentions préventives prolongées. Côté, ou doit faire bon coup de code là, ou faire bon menot, y a dans prison avant, ou fait 5 ans, fait 10 ans, ou pas jamais jugé. Et ça qui arrive au innocent, ou pas même commettre ça au tête ou commettre la vraie, c'est dans l'image, mais on a pas arrêté mon noté tout l'autre point. Et regarde, on fait 5 ans, 10 ans dans prison. Et prison, mesdames, y'a pas épargné de bagaille ça. Mais c'est dans ce sens ça, Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement Port-au-Prince là lui-même ensemble avec doyen yo té débarqué dans prison femme yo dans cabaret côté yo t'a fait un tribunal spécial et yo té fait un habeas corpus pour détendre plusieurs femmes ak mineurs qui té gen dossier en bas côté jodi an yo libéré 17 femmes parmi yo deux mineurs fanatiques Joe Canel Journal 9 entendé commissaire gouvernement Jacques Lafontaine k'ap bay tout détail sous causé ça madame bilan objectif après bilan et audience correctionnelle jodi yo. C'est que nous avons libéré 17 monde, 17 femmes, dont 2 mineurs. Et donc, audience a été pour nous l'occasion pour nous adresser et voulons un signal clair que de concert, pas qu'il y a de concert de Canard, nous entendons combattre et menons grand lutte contre détention privative pour nous. Et par rapport à la mission qui est assignée à moi-même, par le chef du gouvernement et par en particulier par le ministre de la Justice, et nous entendons traiter la question Sayo et pour nous cabas détention net aller et que pendant toute période décembre, et vivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Et nous allons planifier le doyen avec moi-même, tenu à ces criminels sans jury, et que sous bazar, le doyen bien pour rendre ordonnance, pour ordonnance, pour fixer tenue au Jassa. Et donc, nous remercier tout le monde qui était là, acteur, Madame Kepi Julien. Nous remercier le commissaire qui était présent, pour nous avoir des compétences comme représentant du ministère public. Nous remercier le doyen qui était disponible et disposé pour accompagner nous. Il était siégé tout dans le Jassayo. Nous avons un juge belge, au Supri. Nous avons un juge petit papa Jean Rousner, Lucien Georges, pour me citer ça seulement. Donc, nous sommes ensemble, mais nous avons fait pour être là pour attaquer des nations. Donc, c'est un signal. Avocats, tout est là, les avocats stagiaires, nous remercions, qui étaient conduits par le secrétaire du barreau, général du barreau, c'est Maître Robinson Pierre-Louis. Et donc, nous sentons nous commencer ce travail-là. Maintenant, nous, la presse, aidez-nous. Et même pour attirer l'attention, tout le monde, que et nous gagnons, nous pas entendre libérer le monde en veux-tu, en voilà. C'est dans l'audience. Avocat Zamimio, s'il vous plaît. Pas parler dans les moi, venez dans l'audience pour plaider. Et l'un plaider, nous avons gagné fierté, nous avons gagné, nous avons dit honneur que nous accomplissons tâche nous, comme ça doit, comme plaideur professionnel, et que nous libérer, et nous avons des femmes. Donc maintenant. Mon Dieu libéré, qui est-ce qui compte avant ce charge qui était pesée sur vous. Charge qui était pesée sur vous, bon, c'est des infractions mineures. Nous pouvons avoir une grosse infraction pour un crime. C'est des délits correctionnels de voie de fer, vol simple. Et puis c'est abus de confiance. Et côté nous, t'es cité, complicité de vol, nous cité témoins à charge et à décharge pour être capable de faire valoir droit dans l'audience. Donc maintenant, nous avons 17 mounes au total qui sont libérés. Et que pour preuve, nous sommes capables d'aller consulter greffe PAKEA et après toutes. Dispositif jugement, ok, nous avons haute liberté yo, et que nous libérons sous jugement que le juge rend dans l'audience. Et que je voulais attirer l'attention sur le bagage, moi-même dans l'audience, c'est un bel procès. C'est un procès qui a gagné à but de confiance d'Adani, juge Georges Lucien, et que la loi dit faut nous citer, témoins, et que maintenant, témoins pas venus, pas présentés, nous fait moi-même comme ministre public. Demandé pour le juge de fabrication de la note 2 de la jurisprudence constante placée au bas de l'article 166 du CIC. Donc, je l'ai attendu pour faire comme ça, même à défaut de témoins ou de procès-verbaux. Donc, il est capable d'utiliser intime conviction. Et c'est ce qu'il a fait. Il est usé de son intime conviction et il rend une décision hein,
et une dame ça libère après 24 mois dans sa prison pour la confiance. Donc pour citer ça seulement, et que je me sentis nous accomplissons une grosse mission aujourd'hui, et nous t'apportons des petits baillots, mesdames, yo, 17 mondes, mais nous apportons plus toujours parce que nous décidons qu'on a attaqué le problème ça juste en zoo. On a passé de moyens. Est-ce qu'il y a effet immédiat? Oui, effet immédiat. Est-ce que nous avons tous sorti aujourd'hui? Immédiat, immédiatement au libéré. Immédiatement, si on parle de autre cause, mais au libéré immédiatement. Commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. Il y a des gens qui ont dit que gros bravo pour Jacques Lafontaine. Mais lorsqu'on est que son projet, son programme ONU Femmes, hein, qui lui-même t'a essayé garder pour voir qui gens suivi dossier au café, parce que très souvent dossier au même les mounions entrent dans prison, dossier au bagne suivi que fait là dedans. Mais ONU Femmes, donc une organisation qui a l'argent en main, yo, ben yo un projet, un programme pour assurer que dossier mesdames dans prison a un suivi qui fait là dedans. Mais c'est dans sens ça, ben tribunal spécial ça a été organisé, mais c'est pas on, comme si commissaire gouvernement vrai qui comme si dans cadre et politique pénale gouvernement ou bien gouvernement décide de combattre détention préventive prolongée. Mais c'est vrai, il y a toujours à combattre détention préventive prolongée, mais l'entrée dans le cadre projet ONU Femmes, parce que ben directrice exécutive IMED là, Kathleen Julien, il était là, il parlait sous causer ça, gain maire magistrat intérimaire cabaret acté là parler sous causer ça tout et sous causer insécurité qui gain dans cabaret côté grand pile j'ai faut qu'a fait. Entendez, Kathleen Julien ensemble avec Pierrot Joseph qui c'est magistrat intérimaire commune cabaret. Dossier qui des monde qui des dossiers là depuis 10 ans. Vous pensez que le pas normal. Nos situations on peut que c'est des dossiers de gros poissons. Mais gros poissons hein, quand leur il pas qu'à passer 10 ans, il pas jamais jugé. Nous même nous demander faut dossier avancer. Et dans ça, nous t'échita avec le doyen. Nous t'échita avec le commissaire du gouvernement, nous t'échita même avec l'international BINU qui ban nous beaucoup de bourrade et le PNUD qui finalement yo d'accord pour faire une audience ici à le cabaret pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons que pour faire le cabaret parce que yo pas qu'à déplacer à détenir parce que y a des espaces qui des zones de non-droit dans le pays. Il n'y a pas qu'à traverser avec lui parce que l'État n'est pas capable de gagner des moyens pour traverser, pour aller parquer avec lui. C'est dans ce sens que nous disons ça qu'on fait déjà. C'est ma première fois la fête. Pour qui ça, il n'y a pas venu tendre sur place. Il travaille sur plusieurs dossiers parce que ABS Corpus là, qui a relâché 10 mois depuis vendredi, nous-mêmes, nous sommes venus, nous sommes relâchés. Nous, je dis, il y a pas le temps de plusieurs dossiers. Combien de dossiers? C'est nous-mêmes, nous te remettons quarantaine de dossiers. Parce que faut que, mesdames, il y ait plus de dossiers pour y aller dans l'assise criminelle. Mais nous demandons que ça continue. Il y a ouvert, il y a ouvert Jodia, il y a fait des correctionnels Jodia. Il y a dit, il y a continué à faire correctionnel sur place. Mais le plus gros problème, nous, oui, correctionnel, il y a qu'à faire, mais comment vous déplacer avec eux? But c'est ça que le commissaire a dit que eux-mêmes y a travaillé sur dossier. Nous croyons que son bon bagage, nous remercions le commissaire là, nous remercions le doyen tout qui fait tout ça qu'on est pour être capable d'entendre en habeas corpus. Nous pensons que c'est un faut que nous continuions dans ça qui fait là pour que au moins nous pas demander de laguer. Nous même c'est suivi dossier la fête. Les suivis dossiers faits si pour laguer la plague. Mais il faut juger mon nom pour connaître que il faut mettre tel sac, il faut punir pour tant d'années au lieu que pour la passer toute ville en prison et puis en y est pas fait, il fourrer dans tiroir que juge ça a été sous dossier. Il voyait juge là, laisser sur WhatsApp, dossier pour qu'on distribue, ou bien au commissaire du gouvernement, il a révoqué. Et puis lui-même, il a pris les dossiers à traiter la taille. Et pourtant, des gens n'ont pas de dossier. Nous pensons que dans les affaires de droit, monde, d'abord, son viol lié, n'a pas violé le droit. Nous ne pouvons pas continuer à violer les gens parce que l'on est en prison, parce qu'il a commis un crime. Oui, nous connaissons ça, nous voyons ça dans le dossier. Mais juger, puis on connaît pour combien de temps que là. Quarantaine de dossiers, ça, qui ça reproché de dire. La plupart qui ont passé dans le correctionnel, ils ont fait, mais plus fort dans eux. D'accord? Que dossier, ça dépend de gens qui ont regardé, puisque quand même, sur quel bon dossier, ils ont supposé un petit peu, ils ont dévolé un bœuf, et puis,
La loi dit c'est 6 mois, c'est 5 mois pour le passer ou bien 1 an. Mais depuis il fait 5 ans, il fait 6 ans, c'est que lui-même, il finit purger peine déjà. Mais c'est eux-mêmes qui a pas le faire correctionnel, il a bien juge, il a bien toute la cap juger, qui a dit eux-mêmes qui a pris responsabilité. Si pour relâcher, il y a pour relâcher. Si pour que eux-mêmes, le corps aller pour dire, mais combien de temps traité, nous pensons pour que ça continue à faire et pour le faire, pas aujourd'hui, mais plusieurs mois encore, parce que situation par guerre, pas douce, d'accord? L'État pas résout le problème sécurité dans le pays. Le commissaire juge pas qu'à descendre. Parfois, qu'a fait des mois, c'est seul doyen ou qui en bas. Parfois, qu'a fait combien de jours à privé, c'est seul commissaire du gouvernement qui l'a. Parce que moun yo pas aller ou même parfois, on peut avocat en bas, ou tout peuple voyez. Nous pensons que la situation est intolérable dans le pays, que l'État prend responsabilité et que la justice prend responsabilité pour résoudre le problème de détention préventive prolongée. Comment les conditions de détention ici pour vous, mesdames? Conditions de détention, toute détention, depuis que les gens pas de droit à parler, pour sortir, pour marcher, pour le faire, nous connaissons que les durs de prendre de prison. Nous, c'est ça qui fait que nous disons en garder, en juger, pour qu'on connaisse pour combien de temps que vous là, pour qu'on voit que ça fait 10 ans, 20 ans, qui viennent plus j'ai permis que vous relâchez aussi la justice gagne pour relâcher. Et moi, je prends le nom de Yo Joseph ensemble, titulaire cabaret. Je dis, et nous vraiment sentir content de fait que nous présents dans la prison civile et qui trouvent la commune cabaret. Et nous sommes capables de courir pour les femmes dans l'initiative qui est en lien pour permettre que la justice vienne tenter des femmes actives, des jeunes filles qui en détention préventive pour l'objet de l'hôpital. La préoccupation aujourd'hui, c'est la question de sécurité dans le cabaret et plusieurs membres de la prison nationale. Qui sont capables de dire la presse en termes de réponse? En termes de réponse, je suis capable de dire moi-même, j'ai investi il y a depuis 24 juillet 2020. Et avant de dériver le cabaret était un gros problème de sécurité. Nous avons travaillé avec le commissaire Jaurès, avec la justice, avec l'ensemble Kazakh qui est au niveau de la commune cabaret pour dire un cabaret beaucoup plus sûr. Nous sommes capables de comprendre et certainement pas qu'une ville qui est capable de faire 100% dans le monde entier. Mais le travail nous fait son travail qui est vraiment, vraiment sérieux. Mais il y a quelques petits flottements qui gagnent. Eh bien, nous avons continué à faire travail avec le commissaire Jaurès, avec la justice, avec l'autorité, avec les groupes organisés de la commune qui permettent que nous sommes capables de remédier à la situation. Ça, mais il faut que nous disions, le cabaret, il y a des bagages qui passent, le cabaret, tout, c'est des bagages ciblés qui sont de l'autre côté. Et récemment, là, mon avocat, vous avez manqué pour au niveau de la commune cabaret, mais son bagage ciblé. Vous avez suivi depuis Saint-Marc, mais malheureusement, c'est cabaret, vous avez manqué fait forfait. Et heureusement pour le niveau de la commune cabaret, parce que vous avez fait. Et comme nous disons déjà, nous avons travaillé avec l'autorité, avec tout le monde qui concerne au niveau de la commune cabaret, pour permettre que cabaret soit beaucoup plus safe que jamais. En termes de présence policière, qu'est-ce que vous faites? Et certainement, nous connaissons, ça fait longtemps depuis cabaret, qu'on a des problèmes à cause de présence policière. Et nous avons pile inspecteur au niveau du commissariat cabaret. Il y a des policiers qui ont fait accident, qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler pour remplacer. Le problème est posé avec des DDO qui, jusqu'à présent, pour vraiment répondre, nous avons pensé augmenter effectivement pour nous la contingent de taper sortir, mais nous pas fait. Et nous avons réitéré les demandes que nous avons fait déjà pour demander d'augmenter les policiers. Pour nous, nous avons la zone de Casal qui était supposée gagner un commissariat. Nous avons préparé un espace jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas venir policier. Mais quand même, des déroutes, toujours fait en sorte, à chaque fois et toujours, et vous voyez back-up dans la zone, et puis il y a des back-up qui ne patrouillent pas sur l'arrondissement Akaye. Et pour parler d'arrondissement Akaye, on dit la commune de Cabaret et la commune de Lagaye. Question de salubrité avec l'électricité? Non, question de salubrité du Cabaret, c'est une ville qui travaille à 7000. Et heureusement pour nous, nous avons un back-up avec un comité qui a acheté par. Magistrat de fait Wills Thomas, il faut que nous cantons à Bakolo de ça avec taxe pour le cabaret. Parce que le cabaret n'a jamais recevé aucun camion, aucun pick-up, aucun machine de l'État central. Et nous avons tout profité de demander à PM, à Ariel Henry, qui me connaît très bien, qui connaît tout ce que m'habitue à travailler avec elle, pour qu'on l'autre Dieu sur le cabaret. Il faut que nous chaque jour nous ramassions par le cabaret. Mais pour comprendre ça, le cabaret, c'est une commune qui est le plus gros marché qui gagne dans le pays d'Haïti. Et qui produit un pile fatra, mais nous faire en sorte pour toujours. La massif à travailler, nous travaillons pour permettre que le bacolo de l'homme nous
quand nous avons fait hier, si nous sommes capables de venir là, nous avons dit voir nous, par contre, de grande tête qui était venue là pour que clean prison, pour que prêt pour répondre avec une présence, ensemble d'autorités qui sont présents, avec les amis de la presse également qui sont présents ici en Nativas. Rappelez-nous. Mon nom c'est Guillaume Joseph Janson et puis disco nous en parlons, c'est un discours d'unité depuis le monde. Nous demandons tout le monde cabaret, mettez tête ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de changer commune, pour nous capables de permettre que nous vivions mieux. Et nous demandons tout le monde, investisseurs qui t'avaient, venir dans la commune cabaret. Nous sommes très accessibles à la mer et nous avons environ 35 km de Port-au-Prince, route nationale la passe. En dans nous, venir investir cabaret, les gens qui ont une université vini. Et pourquoi pas demandé l'État central, il y a des ministères, il y a des bureaux déconcentrés, qui ont venir avec eux. Voilà, nous avons des réactions. Ketley Julien, qui est directrice exécutive IMED, et Pierrot Joseph, qui lui-même c'est agent intérimaire, dans le cabaret, sous cause et tribunal spécial, ça que tu as fait dans la prison, famille dans le cabaret, mais tout, insécurité, en côté grand pile GFO qui a fait dans la commune cabaret, même si plusieurs cas kidnapping, toujours à répéter dans la zone ça, fanatique, Joe Canel, Journal 9, parce que qu'on est nous-mêmes, nous tous côtés, n'a fouillé, cherché bon genre information pour nous porter pour nous informer de situation dans le pays d'Haïti, j'en doulan. Pays a un pays qui a tout problème. Malade là, malade dans tout col, malade là, pas en forme. Docteur Ariel Henry, pas de médicaments pour guérir malade ça. Au contraire, malade la vigne. Puis mal, si toi avec cause gaz, il y a pas augmenté. En tout cas, tu pays ça. Est-ce qu'elle a mouru? Pays par contre mouru. Mais on dit, il y a une civilisation. Les pays qui ont disparu. En tout cas, nous ne souhaitons pas ça pour le pays d'Haïti. Parce que Journal 9, nous avons continué à faire bonjour information et parler pour que ça a changé dans le pays d'Haïti. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur la petite cloche pour toujours recevoir notification chaque fois que nous partageons une nouvelle vidéo avec vous sur la page. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille neuf pour nous dans Kachap, Zelle, PayPal pour encourager bel travail ça. N'ap kapé là avec vidéo aussi là.